Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir la nouvelle Honda NSX. Comme la première génération de 1989, la GT japonaise exploite un moteur V6 situé à l'arrière, mais il s'agit désormais d'un V6 biturbo à injection directe essence et épaulé par trois moteurs électriques. Un premier moteur électrique est intégré dans la boîte de vitesse à double embrayage et 9 rapports. Les deux autres blocs électriques sont situés sur l'essieu avant pour offrir 4 roues motrices. La puissance de cette mécanique hybride devrait dépasser les 500 chevaux. Le freinage est assez impressionnant, les disques en carbone céramique remplissent les jambes de 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière. À l'intérieur, la finition a été soignée avec du cuir sur le dessus de la planche de bord. On n'est pas au niveau d'Audi, mais c'est pas mal. Et on a un petit rangement entre les sièges avec les branchements. La NSX sera commercialisée dès cet été aux États-Unis pour un tarif de plus de 150 000 $. Et son arrivée en Europe est prévue en 2016. Voilà une belle concurrente pour l'Audi R8.